C'est YouTube. On est sur les deux derniers Mysterium. Comme on avait dit, normalement ça devrait aller assez vite, je pense. Je vais aller me reposer dans le lit. Comme ça, un peu merdé. Je voudrais pas finir sur un truc chiant. Et du coup, je vais enchaîner les Mysterium, ce qui est un peu débile. Mais s'il en reste que deux, balancer les ennemis dans le vide. Ça, on sait faire ça. Psan, c'est fait. Au secours! Je peux pas bouger! Je vais venir vous libérer! La gravité est votre allié. Et mes illusions. J'ai comme l'impression que je dois les jeter dans le vide pour débugger celui-ci. Cette faux Mysterium tape sur les nerfs! Je me demande si Beck était déjà comme ça à l'époque! Sur 15 de poussée, le problème c'est que je tape trop fort. Seul le scepticisme vous sauvera. Ok, personne mystère. Je vais essayer un truc juste après. La mort vous trouvera où que vous soyez. Merde, il y allait. Il est mystérieux dans les environs ou quoi? Je ne suis peut-être qu'une illusion, mais la douleur est réelle. Tout va bien. Okay. Allez-y doucement. Ça a été éprouvé. Alors, on est que en bronze parce qu'en fait on les pousse et. Bah, et en fait ils tombent pas, ils meurent. Parce que. Pourquoi il en reste 3? Il doit y avoir un final. On va utiliser le déplacement rapide. Oui, qu'une fois l'appel. Ah, ok. Hop là. Donc, utilisez les coups de grâce contre des ennemis. Je sais plus combien il me reste de... Bah, les barres doivent être pas mal remplies. Hein. Attendez, attendez.
Attendez, partez pas. Tenez bon. Je suis en chemin. Le temps joue contre vous, Spider-Man. C'est complètement dingue. Quelqu'un doit forcément pirater les Mysteriums. Si j'en crois le dernier appel de Betsy, Beck et son équipe sont sur le point de résoudre le problème. Ok, pour l'instant c'est bon, on est pas mal. C'est au commencement que tout se termine. Donc ça doit être... Bah ça veut dire qu'on va remonter en haut dans le tout premier Mysterium. Hein. Écoulé moins d'une minute. C'est vrai qu'avec la recharge de bioénergie, là par contre, là ça va. Là ça va. Vous n'avez rien. C'est terminé. Pour un truc comme ça, c'est correct. Du coup, est-ce qu'on en a pas. Encore un appel de Betsy. Spider-Man, Cole et moi sommes un peu inquiètes. Il a dit qu'il allait nous tuer. S'il te plaît, Cole. Ne panique pas. Spider-Man, on vient de découvrir que Quentin nous mentait. Au lieu d'aller en thérapie, il allait... ailleurs. Lorsqu'on a essayé de lui en parler, il nous a menacés. Et il est parti. J'espère juste qu'il va se calmer et revenir, mais... n'hésitez pas à nous appeler si vous entendez quelque chose. Merci beaucoup. On dirait que la situation se dégrade. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est parce que c'est à Coney Island, le dernier. C'est là où on sait... C'est pas... Faut tiens, attendre que ça... un nouveau message vocal. Spider-Man, il faut qu'on se voie. Venez à Coney Island, je dois impérativement vous parler de quelque chose. Super, ça ressemble pas du tout à un piège. C'était en haut qu'on y est. J'espère juste qu'il a pas fait de mal à Betsy et à Cole. Ok. On va prendre la photo pendant qu'on est là. On prend la photo et on fait le dernier Mysterium. Ce type trempait ses hot dogs dans du jus de tomate avant de les manger. Je sais que ça lui permet de les manger plus rapidement, mais du jus de tomate. Désolé, mais c'est criminel. Allez. Ça risque d'être un peu compliqué. Ok. Où est passé Beck ? C'est là que bienvenue, là. Spider-Man. Si vous cherchez Betsy et Cole, elles ne sont plus parmi nous. Vous les avez tuées ? Vous avez l'air surpris, mais vous saviez depuis le début à qui vous aviez affaire. Mais qu'est-ce que... T'es redevenu Mysterio.
Beck. Mon nom est... Mon nom est... Mysterio. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que vous vouliez créer le futur du divertissement. Tout cela, très divertissant. Donc toute cette histoire de piratage dans vos mysteriums, c'était un mensonge? Fonctionne comme les autres. Plus j'éliminerai de méchants et plus je me rapprocherai de la sortie. Je vous montrerai. Ah, vous voulez jouer au chat? Alors jouons. Sérieux, mais pourquoi vous faites ça? Vous auriez pu mettre vos pouvoirs au service de toute la ville. Cette ville n'a jamais respecté vos talents. C'est pas comme ça qu'on se fait respecter. De la peur, mais le mec. Résister, continuer à douter, c'est le seul moyen de le vaincre. Oh. Attendez, si vous vous êtes ici et que Mysterio est là-bas, comment est-ce possible? J'en ai assez. Je vous tuerai moi-même. Vous pensez vraiment pouvoir me vaincre? Je me sens insulté! Tout ce qui s'est passé est arrivé parce que je l'avais décidé! Vous vous trouvez simplement des excuses! Il est plus un pouvoir! Je suis un dieu! C'est moi qui façonne votre réalité! Comment est-ce possible? Abandonnez maintenant et j'épargnerai votre vie. Non merci, c'est pas vraiment dans ma nature. C'est pris tous les taxis dans les gueules. Et Beck, il est où? Alors, vous avez réussi à survivre. Ça tourne beaucoup. Vous n'échapperez jamais à ce monde. Pas de food et de machin. Silence tous les cell phones. Nos flash photographie. Expérience mail content flashing. The park at Coney Island. Il suffisait de faire demi-tour. Bien essayé. Petit malin. Hein? Vous ne gagnerez jamais. Je suis la vie. Après votre mort, la ville m'accordera enfin le respect que j'en mérite. Vous voulez du respect? Alors arrêtez tout ça. Surpris?
Peut-être que c'est vous qui allez devoir me respecter maintenant. Joli. C'est vrai que la décharge d'énergie, par contre, ça a un peu aidé beaucoup. Il est temps de sortir de là. La simu a planté. Relance-la. Je fais ce que je peux. C'est ces deux-là, mais... C'est L2. Oh bah tiens. C'était Quentin. Il nous a obligés à le faire. Il est où ? À l'aide. Je suis là. Oh bah tiens. Ah ouais. Au secours. Venez m'aider. Ah oui, je vous ai vachement obligé. Les deux saloperies, quoi, j'y crois pas. J'y crois pas. J'ai quand même pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on mange ? Ceci devrait y répondre. Je peux dire à tout le monde que Mysterio est un gentil maintenant ? L'avantage, c'est que Kraven ne viendra pas te chercher, il est mort. Mysterio sera toujours un méchant. Mais quand on... Comme Spider-Man sera toujours un héros. C'est quand on regarde la personne derrière le masque que les choses se compliquent. C'est toujours été un de mes héros préférés, bah un de mes méchants préférés, Mysterio. Je le trouve très très fun. Le chien fait son nid dans les patounes. Bon, du coup, on a avancé dans les Mysteriums, c'est pas plus mal. On a fait le... Cliquez pour afficher. Je crois qu'il nous a grillé. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Tant pis. Augmente la hauteur et la distance, on va afficher les trucs sur la carte. Comme ça, et du coup, il nous en manquera 5 pour ça. Dans les points de compétences. Un nuage qui soigne, recharge. On l'utilise pas des masses, mais ça peut soigner, donc c'est pas plus mal. Ça peut être intéressant. On l'utilise pas trop. Là, il nous en manque une, deux, mais c'est pareil, c'est pas ouf. Réussir une parade quand un ennemi le repoussera en plus de l'entoiler. Il faudra ça. Hop. Pourrait être intéressant, puis bah pour Spider-Man on verra quoi, pour ces trois là, ces trois trucs là qui restent. Là, c'est pour ça qu'on a gagné, qu'on a pu utiliser le truc, c'est parce qu'on a gagné 4 trucs et nouvelle tenue débloquée. Oh, et ça a été écrasé. Elles ont tous les deux un style de rôdeur. Celle-ci, elle est jolie. Du coup, faudrait qu'on passe sur un truc noir pour Spider-Man. Histoire d'avoir... Le problème, c'est que... On dirait qu'il regarde...
Dans celle-là, on dirait vraiment qu'il y a de la fumée. Oh, quoi que non, on le voit bien aussi. Ok. Là, on a encore une photo à faire, c'est celle-ci. Une photo à faire et trois Spider-Bots, la vache. Attendez, parce que si je coupe la vidéo tout de suite, ça ira pas. Il y en a deux qui sont le long de la route en bas. Genre, il y en a un ici, et il y en a un en montant un peu plus haut sur la route. Et il y en a un juste à côté de la photo. Je pense que c'est ça. Il y en a un ici. Toi aussi, tu te fais appeler Quentin Beck? Il y en a un à peu près par ici. Si vous savez pas, hein, vraiment, prenez la carte interactive. J'essaierai de vous la mettre à l'occasion. Ouais, il y en a un là, parfait. Ce Spider-Bot me prend de haut. 39, donc il nous en manque 3. Il y en a un par ici, apparemment. Quoi? Il semble qu'on en avait récupéré un en haut, c'était peut-être là du coup. Hein. Cool. Donc c'est pas celui-là. Donc il y en a un. Vers l'afflux à peu près. Jamais de main morte, si tu me permets le jeu de mots. Et quand ils voient une opportunité de s'amuser, ils la saisissent. Hé, hey, monsieur Robertson, vous avez reçu ma photo? J'ai voulu finir en beauté pour mon dernier envoi. C'était la dernière? Hé, hey, monsieur Robertson, vous avez reçu ma photo? J'ai voulu finir en beauté pour mon dernier envoi. Tu peux m'appeler Robbie, Miles. Eh oui, elle est fantastique. Mais je suis un peu surpris que tu arrêtes maintenant, alors qu'il te manque deux des plus grandes figures de New York, les Spider-Man. C'est vraiment ce que vous pensez? Tout ce que je vois dans ces photos, tous ces parcours, toute cette histoire, cette vie. Rien de tout ça n'existerait encore sans les Spider-Man. J'espère qu'ils le savent. Ils l'oublient certainement parfois. Mais ils doivent le savoir. Eh bien, merci pour les photos, Miles. Tu as beaucoup de talent. Ça me fait plaisir. Merci, Robbie. Donc Brooklyn Centre, il nous manque des trucs, mais ça, 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 la cache, les expériences de l'EMF, donc il nous restera les deux afflux, et on est pas mal, hein. Là-haut, il va nous manquer que ce qui est verrouillé.
Je suis sûr qu'il nous manque un Spider-Bot. Parce qu'avec un peu de peau, il nous en manque qu'un. Non, il nous en manque deux, il nous en manque un ici. Et un ici, c'est ça? Collection. Les photos 23 sur 23, c'est fait. Les journaux, c'est fait. Donc il ne nous en manque vraiment que deux. Alors il nous en manque un dans Chinatown. Il y en a un par ici au pied du pont, je pense pas qu'on l'ait. Mais par contre, vu qu'il faut traverser, on va faire un voyage rapide. On l'avait celui-là. Bon, alors admettons on avait celui-là, du coup l'autre. Il est vers des maisons en biais. Merde, je l'avais. Il est vers là. Et l'autre est vraiment sous le pont. Ouais, il devrait être là, donc je pense qu'il est pas là en fait. Je pense qu'on l'a déjà récupéré. Hop là, le v'là. Voilà. Et le dernier, il est à Midtown. On a un tout en bas par ici, un par là, et un à côté du Mysterium. Donc on va essayer celui-là. Filtrer la flûte chasseur. Et du coup, ce qui manquait qui était verrouillé. Ah non. Donc ça a l'air de pas être lui. Il y en a un vers le gros bâtiment par ici. On est bien là, hein, par contre. Hein. On est bien ouais, le long de la route en bas, effectivement. Il est là-haut. Ok, donc on a le dernier. Le dernier Spider-Bot. T'as toujours ton goûter sur toi? C'est pas une mauvaise idée. J'ai réussi! Le message utilisait une espèce d'algorithme en qubit, mais j'ai réussi à créer un tableau de décryptage. C'est un coup de génie si je peux me faire. Super cool. Et que dit le message? En fait, c'est une adresse. On dirait un ancien terminal de métro. Il est plus utilisé depuis les années 80. Peut-être un piège? Non. Ça sent pas vraiment le truc piège. Qu'est-ce que ça sent alors? J'en ai aucune idée. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Hop là, on fait ça, puis après on arrête. On aurait pu finir là. On aurait pu finir Midtown, mais comme ça on aura fini les Mysteriums.
On aura fini Mysterium et les Spider-Bots. Ah, c'est un petit Across the Spider-Verse. C'est quoi ce truc de malade? Ça alors? Ah oui. Spider Hero, on est sauvé. Salut. Vous êtes qui? Moi? Je suis juste une barmaid qui rend des services à des gens de temps en temps. Et j'ai appris que les Spider-Bots dissidents étaient dangereux et mauvais pour les affaires. Permets-moi de t'en débarrasser. Wow. Wow. Ah oui, c'est tous les divers Spider-Man du coup. Merci. Tous les divers Spider. On peut toujours compter sur toi pour faire ce qu'il faut. Hein, sympa. Y a pas de quoi. Si Miguel vient les réclamer, dis-lui premier arrivé, premier servi. Attends, c'est qui Miguel? Miguel. Parfait. C'était quoi ce truc? J'en sais rien. Si je savais, je te le dirais. Le protocole de communication. Donc ici, il nous reste la requête, la cible inconnue et autre chose. Ce qui fait qu'on n'est pas trop mal. On va rester là. On fera la cible inconnue et la requête du Spider-Man demain. Demain, j'ai du monde à la maison. Donc, je sais pas si c'est demain ou pas, mais... c'est ça, écho de la ville. Bof, pas fou. A tenue protecteur à la couleur de Yuri. Noir classique. Bleu. Oh, on est au bleu. Elle est sympa. Tenue améliorée, furtive. Très joli aussi l'Iron Spider. Celui de Civil War est pas mal aussi. Parce que là on est sur Arkham Knight. On va mettre Civil War, écoutez. Oh! Spécial. On va mettre celui-là. Hop. Je me demande si c'est les ailes de Falcon qu'il a dans le dos. On dirait qu'Howard a besoin de moi? Pourvu que PJ lui aille bien. Ouais, c'est ça, ok. Donc avec la... En fait, dans Civil War, il récupère les ailes de Captain Falcon. Bah, du Faucon, quoi. Et là, il les a. C'est assez sympa. Voilà, Howard. Hop. Donc, bah, on s'arrête là, hein. On a dit, comme on a dit. Toc, YouTube, on a fini les Mysterium, on a fini Spider-Bot, du coup j'espère que c'était une bonne vidéo pour vous. A plus, bye bye, bisous YouTube, ciao ciao.